Talking Ben aurait été filmé dans une backrooms, ce qui en ferait littéralement la vidéo la plus flippante de Talking Ben de toute l'histoire. J'ai reçu en effet plusieurs messages d'entre vous qui me disaient « Talking Ben a été filmé dans les backrooms », mais qu'apparemment la vidéo a été vite cachée. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de retrouver cette vidéo effrayante de Talking Ben à l'intérieur des backrooms. Est-ce que vous serez assez courageux pour me suivre jusqu'au bout de cette vidéo? On va tout d'abord se rendre sur la chaîne de KenPixel, qui est l'un des premiers youtubeurs à avoir filmé des backrooms. En tout cas, à avoir publié des vidéos de backrooms. D'ailleurs, faites comme moi, abonnez-vous, activez la cloche de notification sur KenPixel, puisqu'il poste régulièrement des vidéos sur les backrooms qui sont ultra intéressantes, ultra flippantes. Je suis complètement fan. Mais du coup, nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est Talking Ben à l'intérieur des backrooms. On va donc commencer avec cette première vidéo des backrooms et tenter d'apercevoir Talking Ben à l'intérieur. Ok. On semble être à un endroit où ils tournent des films. Ils ont l'air d'être jeunes dans leur voix, donc peut-être une école de cinématographie. Et on a là des élèves qui sont en train de réaliser un petit court-métrage. Ok, on le voit à leur tête, ils sont très jeunes. À mon avis, c'est une école de cinéma. Ils sont en train de réaliser un petit court-métrage avec un singe et un élève, du coup, qui fait le figurant. Ok, je me permets de stopper la vidéo dès maintenant. Parce que là, ce qui vient de se passer, c'est typiquement ce qui se passerait si vous arriviez dans une backrooms. Alors, qu'est-ce que c'est que les backrooms? Eh bien, ce sont des lieux sur plusieurs étages. Des lieux qui sont générés un petit peu de manière aléatoire sur des modèles géométriques. Souvent, les lieux sont pleins de moquettes, de murs avec de la tapisserie. C'est très humide. Et en fait, comment arriver dans une backrooms? Eh bien, c'est pas vous qui choisissez. Littéralement, c'est comme ce qui vient d'arriver au gars qui tenait la caméra. Il y a un bug dans la vie réelle. Vous allez tomber dans une sorte de glitch, dans un bug, et vous vous retrouvez à l'intérieur d'une backrooms. Continuons cette vidéo. Du coup, voilà, il se réveille à l'intérieur d'une backrooms. Let's go. Ok, donc là, du coup, on a le film de quelqu'un qui s'est retrouvé dans une backrooms. Alors, hello, comment c'est possible qu'on ait ce film-là? On le verra, je suppose, à la fin. Hello. Ok, du coup là clairement la personne qui était en train de filmer s'interroge où est-ce qu'il est. Et il est à l'intérieur d'une backrooms. Personnellement, je serais à sa place, je ne serais absolument pas rassuré. Voilà, lorsque vous êtes dans une backrooms, il y a plein de monstres différents. C'est quasiment impossible d'en ressortir. Si vous tombez sur un escalier, c'est déjà une chance énorme. Et en fait, c'est juste pour aller dans un étage plus bas des backrooms. Donc là, il est en train de se déplacer. Ok, 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 ok. What? Attendez, on va repasser. C'était pas Talking Ben, mais il y a eu quelque chose là. Il y a quelque chose, on va le mettre en vitesse 0.25. Ok, let's go, il va se tourner. Ok, je suis en vitesse 0.25. Hello. Oh. On voit, vous avez vu, il y a quelque chose qui est passé là. Au pire, vous remettez replay dans la vidéo. Il y a quelque chose qui est passé là. Ok, il y avait quelque chose juste ici. Très flippant. Il y avait quelqu'un qui l'a regardé, est-ce que ce serait Talking Ben ou non? Je ne sais pas, j'arrive pas à savoir. Donc voilà, il y a des endroits où c'est vraiment très étrange. Comme par exemple là, on dirait que c'était une ouverture entre deux murs. Et on voit du coup, regardez, c'est généré un peu de manière aléatoire, géométrique. On a plein de couloirs, de pièces, toujours un peu la même disposition avec des éclairages au plafond. Si vous voulez en savoir plus sur les backrooms, j'ai fait des vidéos Minecraft sur les backrooms où j'étais accompagné de Scrimex, qui est un de mes collègues, qui est largement plus spécialisé sur les backrooms. Du coup, n'hésitez pas à chercher ces vidéos sur ma chaîne. Voilà, je me suis retrouvé dans des backrooms sur Minecraft et on explique beaucoup plus ce que sont que les backrooms. Mais là, du coup, regardez, est-ce qu'il va prendre l'échelle ou pas? Il a pris l'échelle, j'ai l'impression. Il a pris l'échelle et du coup, il est à l'intérieur du trou. Il va tomber de l'autre côté. Alors là, du coup, la lumière est beaucoup plus verte. Toujours dans des couloirs, il se balade à l'intérieur des backrooms pour l'instant. Voilà, le problème, c'est que pour sortir d'une backrooms, il faut reprendre un glitch, il faut re-glitcher. Sinon, voilà, sinon, il faut descendre dans différents étages. Mais là, on ne sort pas en fait en descendant dans différents étages. On ne sort pas des backrooms en fait, on est juste dans différents étages des backrooms. Mais c'est vrai que regardez, c'est très flippant, très effrayant. On sait pas trop où on est, c'est oppressant aussi ce jaune, cette humidité, cette moquette, cette tapisserie au mur. Tout est glauque, tout est effrayant, tout est oppressant. D'ailleurs, si vous voulez plus de vidéos, réactions à des vidéos backrooms, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo. Je refais des nouvelles vidéos sur les backrooms. Regardez les petites flèches là-bas. À 10 000 pouces bleus, hein. Vraiment, s'il n'y a pas 10 000 pouces bleus, je n'en ferai plus des vidéos sur les backrooms. J'aurais compris que ça ne vous plaît pas forcément. Du coup, let's go, regardez. On a des flèches, il y a des choses qui ont été dessinées qui nous indiquent quelque chose dans les backrooms. Ok. Wow, ok. C'est comme il a dit, qu'est-ce que c'est que... Alors, what the hell, c'est un peu... La traduction littérale, c'est qu'est-ce que c'est que cet enfer. Et du coup, c'est qu'est-ce que c'est que ce bazar, tu vois. Waouh. Est-ce que c'était Talking Ben ou pas?
Il se fait poursuivre littéralement par quelque chose qui est effrayant. On va mettre pause sur la vidéo dès qu'il se retourne. Je veux voir ce que c'est. Je veux voir à quoi ça ressemble. C'était quoi? What the fuck? Oh là là. C'est si effrayant, c'est horrible. On l'entend de moins en moins. Je suppose qu'il a réussi à le semer. Waouh, on dirait un miroir. On dirait un musée des glaces. Ok, on l'a vu, on va remonter littéralement. Ok, on l'a. Ok. Alors le problème là, c'est que j'arrive pas à identifier. J'ai avancé de une frame, hein. J'arrive pas à identifier quel est le monstre de ces backrooms. Genre, quel est le type de monstre de ces backrooms sur lequel il est tombé, le mec qui filme. Parce que vraiment, il ressemble à aucun que je connais. Alors après, il faut savoir qu'il y a déjà plus de 10 000 entités dans les Blackrooms. Je peux vous citer les Smilers, les Insanities, les Partygoers, les Facelings, les Clumps. Enfin bref, il y en a tout un tas et celui-là, je ne le reconnais pas. J'arrive pas à savoir ce que c'est. On va voir un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il a l'air quand même plutôt vénère. Donc on va continuer cette vidéo, on va remettre la vitesse normale. Ok, let's go. Il se fait poursuivre. On dirait littéralement vraiment un... Vous savez, un musée des glaces là. Voilà, c'est ça dont je vous parlais, un palais des glaces littéralement. Voilà, genre, ou labyrinthe des miroirs, je sais pas trop comment expliquer. C'est des sortes d'attractions comme ça en fait, où tout se répète, c'est ça dont je vous parlais. Bref, continuons cette vidéo et il est tombé dans un trou. Il avait trouvé un trou? What? J'ai pas eu le temps de bien voir, il avait trouvé un trou apparemment. Ah ouais, clairement il est tombé d'un trou. Oh, ça veut dire qu'il est dans un nouvel étage des backrooms. Oh, je suis hype de fou furieux. Nouvel étage des backrooms. Ok, let's go. Ok, j'arrive pas à reconnaître quel est l'étage. Okay, c'est un escalier qui monte vers quoi? Qui monte vers rien? Un escalier qui monte vers rien, littéralement. Il y a ça dans une maison d'horreur aux États-Unis. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ils avaient fait des escaliers aussi qui montent vers rien. Là, c'est vrai que c'est flippant. Il a un interrupteur de lampe? Ou c'est quelqu'un qui éteint la lampe à sa place? Et dans ces cas-là, c'est très flippant. J'arrive pas à déterminer quel est l'étage de ces backrooms. Waouh, tellement flippant. C'est très étrange, hein. On voit des gens. Toujours pas de Talking Ben, par contre. Toujours pas de Talking Ben. On est toujours dans ces backrooms, mais toujours pas de Talking Ben. Et ça, c'est plutôt embêtant, quand même. Une poubelle. En plein milieu, comme ça. C'est étrange. Ok. Ok, on a un gigantesque couloir devant lui. Et... Wow, 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 wow. Il t'a deux doigts de tomber, en fait. What? Mais attends, mais ça se répète en boucle. C'est comme je voulais dire, hein. Tout se répète en boucle. Regardez, c'est tout le temps la même chose en fait. D'ailleurs les abonnés, ça m'est revenu. C'est dans la Winchester House, la maison de Sarah Winchester, qui est l'une des maisons les plus hantées au monde. Et regardez, il y a des escaliers qui mènent vers rien. Voilà, on en voit. Voilà, ce sont des escaliers qui mènent à absolument rien. Un petit peu comme on avait dans les backrooms. Continuons cette vidéo avec du coup une porte. Est-ce qu'il va pouvoir l'ouvrir? Fire exit. En vrai, ouvre là mon pote, hein. Ok, il y a un grand escalier. C'est flippant. Est-ce que vous flippez? Est-ce que vous êtes toujours là? Et mettez un petit hashtag la team les vrais. Et tous ceux qui sont restés jusqu'à là dans cette vidéo, ça veut dire que vous êtes très courageux et je vous veux parmi mon équipe. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche de notification. Faites partie de l'organisation très secrète que j'ai créée des chasseurs de monstres avec tout simplement tout ce qui nous passionne, les monstres, les fantômes, tout ça. Rejoignez la chaîne. Let's go. Ok, du coup, on est dans les backrooms toujours. Et là, on est... Attends, j'ai loupé un épisode. On est nouveau dans l'étage du début. L'étage original des backrooms. Le problème, frérot, c'est que dans cet étage-là, il y a un monstre qui veut essayer de te buter, en fait, mon pote. Et j'arrive même pas à savoir ce que c'est comme monstre. D'ailleurs, le bruit des lampes, etc., c'est fait exprès, hein. Genre, enfin, c'est fait exprès. C'est toujours comme ça, en fait, dans les backrooms. C'est toujours comme... Oh mon dieu, oh les gars, j'ai vraiment flippé. Je sais pas si ça s'est vu la caméra. J'ai vraiment flippé de fou. Oh mon dieu, mais what the fuck, c'est Talking Ben ça? Toujours pas de trace de Talking Ben. Mais comment se passait que Talking Ben s'est retrouvé à l'intérieur des backrooms? What, what, what? Je suis terrorisé les abonnés, je vous avoue. C'est horrible. C'est horrible. Ok. What? Et what? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh non! Oh le frérot, non!
va s'écraser. Oh, c'est comme ça qu'on a eu accès à ces images. Il s'est écrasé dans l'herbe. Du coup, quelqu'un qui a pu récupérer sa caméra. Oh mon dieu. Par contre, toujours pas de Talking Ben à l'intérieur des backrooms. On l'a pas trouvé. Écoutez, ce qu'on va faire dès maintenant, c'est que moi je vais mener mon enquête. Je vais arrêter de vous embêter. Et dès que j'ai la vidéo, eh bien on continue. Si vous êtes rendu à ce moment-là de la vidéo et qu'il reste encore un peu de temps, il reste genre 3 ou 4 minutes, c'est que j'ai trouvé la vidéo et du coup je vous conseille de rester. Du coup voilà, let's go. On se retrouve après une petite ellipse pour vous et quelques heures de recherche pour moi. Les abonnés, on se retrouve enfin. Enfin, enfin. Vous, ça a duré seulement quelques secondes. Pour moi, ça a duré plusieurs heures avant que je retrouve cette vidéo. Et la voici. On a une vidéo de Talking Ben à l'intérieur des backrooms. Talking Ben in the backrooms. La vidéo, elle est partie. Let's go. C'est maintenant. Elle dure 34 secondes. On a un coup de téléphone qui vient d'être entendu. Ok, on est littéralement à l'intérieur des backrooms comme tout à l'heure. Et on a entendu le rire de Talking Ben. Le voici, Talking Ben. Il est juste ici, les abonnés. Talking Ben à l'intérieur des backrooms. Ok, il vient de raccrocher. What? Non, 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 c'est pas possible. Mais non. Non. Talking Ben, il s'est fait enlever par le monstre là? Mais non, 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 attendez. On va remettre. Je veux revoir moi Talking Ben. Ok, il va l'approcher. Hein. On va mettre un stop vraiment au moment où il est dedans. C'est vraiment Talking Ben à l'intérieur des backrooms. C'est effrayant. What? Bon, en tout cas, les abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était passionnant, encore une fois, cet épisode. J'ai enfin trouvé cette vidéo de Talking Ben à l'intérieur des backrooms. Dites-moi sur une échelle de 1 à 10, combien ces vidéos étaient effrayantes? Voilà, combien ces vidéos... Alors, pas ma vidéo à moi, mais ces vidéos qu'on vient de regarder. Vous me dites de 1 à 10, vous faites un petit truc. Et comme ça, on verra quelle est la vidéo... la plus effrayante, on fera un petit classement à la fin de l'année, ça pourrait être intéressant. Bon bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche d'éducation et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde les potos, je vous aime et à très très vite.